Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pousser des roses, n'est-ce pas, chez vous, pour embellir et orner votre maison. Alors, tout d'abord, nous allons faire les bouquets. Nous allons préparer les bouquets et nous allons amender le sol. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire amender le sol, je vous invite à aller regarder ma vidéo où je vous explique tout cela. Donc, nous allons amender notre sol avec notre fiente bien décomposée. Ouais. Ceux qui ne savent pas comment faire pour obtenir de la fiente bien décomposée comme ça, allez regarder ma vidéo où je vous explique tout cela. Et de la cendre aussi, vous voyez, la cendre pour déparasiter le sol. Car le sol a toujours des vers, des nématodes et consorts. Bien. Bien, une fois que nos bouquets sont prêts, nous allons préparer nos boutures de roses. Alors, observez, nous allons faire une entaille là. Nous allons tailler comme ça. Attention de ne pas vous blesser parce que comme on dit souvent, les roses ont des épines. Oui, j'avais le gobelin à Karen. Quand j'ai commencé à boire de l'eau à Karen, ça fait 3 ans ou 5 ans que je ne vais pas à l'hôpital. Déjà, j'ai mal au foie, j'ai la tension, j'ai le diabète. Imaginez avec toutes ces maladies, ça fait 5 ans que je ne vais pas à l'hôpital. Donc vraiment, merci. Alors après avoir taillé comme ça, nous allons prendre, n'est-ce pas, une feuille d'aloès vera. Vous voyez. Et là, nous allons oindre cette partie ici, n'est-ce pas, cette partie blanche là, du gel d'aloès vera. Voilà, on va déposer ça ici. On va faire le même pour les autres tiges. Bien, après avoir trempé nos roses dans le gel d'aloès vera, nous allons donc les insérer au sol, comme ça, avec un angle d'inclinaison d'environ 40 degrés, vous voyez, comme ceci. Et hop, voilà, on va tasser un peu le sol. Voilà. Très bien, ceci étant fait, n'est-ce pas, nous allons arroser
Nous allons arroser nos roses. Bien, l'arrosage terminé, n'est-ce pas? Nous nous donnons rendez-vous dans quelques jours pour observer le résultat ensemble. J'avais le gobelin alcalin. Quand j'ai commencé à boire de l'eau alcalin, ça fait 3 ans ou 5 ans que je ne vais pas à l'hôpital. Déjà, j'ai mal au foie, j'ai la tension, j'ai le diabète. Imaginez avec toutes ces maladies, ça fait 5 ans que je ne vais pas à l'hôpital. Donc, vraiment, merci.